Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, en compagnie de Tnarfan pour un nouveau Galaxy Pen of Paper, donc la suite. On va voir donc le système de level up déjà. Donc Tug, il y a des trucs qui montent. Ok, tout monte okay, de manière standard, c'est cool. Alors on voit que je vais pouvoir débloquer d'autres compétences en fonction de mes niveaux. Et donc là, qu'est-ce que je dois choisir? Je dois choisir une compétence visiblement. On peut s'équiper de trucs là. Ok. Il a choisi quoi? Choisi plus de puissance? Non? C'est quoi le truc? Ok. Bon bah ça level up tous les deux et puis fin de l'histoire, c'est ça? Bon bah et fin de l'histoire. Création de mission. Bon, il est temps de tester le système création de mission. D'accord. En choisissant un type de mission, mission d'auteur et réglage, vous pourrez créer toutes sortes d'aventures. Allons voir ce qu'on peut trouver. Début de mission. Le lendemain, Vestro apparaît à nouveau. Let's see! Que NTE Protector pourrait use un bon scrummy. Ah putain, c'est terrible! Attendez, je suis fatigué. Help, quelqu'un, aider? Tabasser. Je vais lui donner une prise de tête. Vous mettez Monsieur Ken dans une prise de tête. Je ne pense pas qu'il puisse respirer de cette façon, Toy. D'accord. Release! Lui, gros de nœud. Elle est moi qui m'a donné le temps de mettre mes pensées toutes ensemble. Y'a quelqu'un pour ça, je sens The Raider s'emparer Foucamel. Envoie. Blast, il. Dust, mauvais pour business. D'accord, Kent. Je vais vous prêter mes soldiers privés. Pour un prix cool. Ah, fine. Escort, Mr. Kent. Retour, Crazy Camel, et prendre soin de tous Sans Raiders. Vous pouvez prendre ce VTT. Nous scavengeons semaine last. Ok. Attendez, pourquoi dans le verset de. Dans le verset est la ville appelée Crazy Camel? It's a story long. Vous devez savoir confiance. Ouais, c'est chiant, ta gueule, on te suit. Ok. On a récupéré un gadget. Escorter, escorte Mr. Ken, retour chez Crazy Camel, enquêter sur la situation dans la ville. Ok. Formation d'équipe, créer bataille. Là, je peux balancer une bataille comme ça. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, on a quelques moches. Par contre, ça devient chaud là. On y arrive. Battez-vous contre 3 abrutinos. Ah oui. Ah oui, putain, faut qu'on le ramène en vie ce con. Merde, faut qu'on le ramène en vie. Ah, j'ai fait le con. Alors, on a l'ordre des tours là-haut. Hein. Il est en peignoir quoi. Certainement à moins que dalle. Mais il est coriace en vrai hein. Ok, donc les mobs de base ils déconnent pas en vrai hein. Ok. Et l'autre mob c'est quoi?
Ah ouais, c'est vénère tout de suite à première vue. Je veux voir quand même ce que ça donne. Ah ouais, c'est solide. Attendre, on a su. Okay. Ok. Bon, on aura vu quelques trucs, c'est cool. Sinon, on peut partir sur un petit voyage planétaire. Ah, la map du monde. Voilà. Donc là, on est au cimetière de navires, ok, c'est là où nous sommes actuellement. Et nous, on va aller ici. Un camel fou. La ville poussiéreuse et chaude de Crazy Camel, donc du chameau fou, est célèbre pour ses cantinas remplies de toutes sortes de cinglés. Certains Riders des Sables vous approchent, les gars, dès que vous y arrivez, quoi. Hé, hey, vous devez payer un péage d'entrée si vous voulez visiter le chameau fou. Les commandes de... ce sont les ordres de Lord Ginormous. J'ai mal à prononcer son nom à mon patron, comprenez. Mais je vais le vivre ici. Donc lui c'est Tebeman. Hein. Faites des excuses de ne pas payer. Nous allons confisquer vos affaires alors. Cela s'entraînait comme c'est vous, vous êtes nus dans Cyber School. Mais je peux dans la vraie vie être en embrassant, hein. Nu, Monsieur Ken se précipite hors, comme il n'y a pas de... Comme il n'y a pas de main. Ouh, cette traduction fait mal à la gueule. Cela était très moyen. Vous êtes des méchants, des spops, ricaner. Et je ne vais pas essayer de me distraire. J'ai besoin que tu payes trop. Vous ne pouvez pas nous faire payer. Et tu dois payer. Et en fait, nous pourrons l'utiliser comme excuse pour vous battre puis prendre vos crédits. Hey, j'aime cette idée. Ok, on doit se taper 5 raiders. Mes boucliers n'ont pas régénéré. Ouf. C'est 5 raiders, c'est parti. Ah puis on est sec en plus. Il va falloir en esquiver une à un moment donné, hein. On est un petit peu dans la merde. Ah oui, puis on one-shot personne en plus, donc c'est un peu triste ou quoi. Bon, bah c'est déjà un échec scénaristique. Ah ouais, alors pareil, c'est pas très clair. Je veux pas le... C'est forcément un mec comme ça qui doit recevoir. Oh le crit, est sympa le crit, hein. Ouais, c'est sympa, ouais. Bon bah problème réglé. Défaite, vous avez été battu. Donc d'ailleurs qu'est-ce qui se passe quand on t'est battu? Ah, tu reviens au cas hôpital. Se réveiller dans le medbay que vous retrouvez avec moins d'argent et moins d'XP. Ah ok. On a
accomplissant des missions. Ok. Ok. Oh. Du coup, on est là, c'est ça? Ah, ok, intéressant. On a révélé une partie de la map. Ah. Vous entendez quelque chose de... une salle supérieure au-dessus, hein? Au moment où vous regardez, les bandits ont déjà... vous leur cite. Que vas-tu faire? Quoi? Suppression moins 1, passé... Oh, c'est pas clair. Ah, la traduction française a vraiment tout pété, quoi. C'est... il n'y a pas moyen de basculer... réglage, merci. Applique. Back to the game. Parce que là, ça picote trop, quoi. Et ben, on va s'offrir un petit combat. On va se mettre 3 clodos sous la dent, là. On a besoin de passer des niveaux. C'est parti, hein. Ouais, vas-y, balance ce que t'as. Sauce, hein. Esquiver, petit bâtard. Bon, donc tu fais quelques tickets. C'est bien. Un rat burger, c'est pas mal. Ce que j'ai besoin de vérifier, c'est vos stats, parce qu'à chaque fois je les ai pas. 7, 7, 4, 4. Et 5, 6, 5. Ah oui, donc ouais, t'es pas trop mauvais non plus encore. Ah, j'ai pas fait de mec très très intelligent. Ça, par contre, ça va vraiment être mon problème. À chaque fois que je voyage, c'est pas l'histoire. On va se poser un petit combat ici, je pense. Voilà. Oh, y a un mec genre méga vénère level 4. Ah ouais. Showtime, hein. Voilà. Juste, hein. Juste, on est dans un cul-de-sac, on tabasse un Golio. Ce mec est gratos. C'est vraiment, c'est juste de la gratuité. Tu peux même t'en aligner deux comme ça, gratos. D'ailleurs, t'abîmes pas tes boucliers. Et ben voilà, paf, on a passé du niveau. Ce qui est pas inintéressant. Vas-y, mets-moi un moche comme ça. Oh, pétard, par contre il est quand même bien vénère. Ah, et puis l'esquive en plus, le sac. Ah, oh, il rase quand même, hein. Oh, le sac. Oh là là, non mais encore ce fameux tatane, quoi. Oh, la dodge enfin, quoi. Ok. Prend très vite très cher quand même, hein. Je peux utiliser un burger sur toi là? Yes, utilise un burger. Nice, ok. Nice, nice. Ah oui, alors il y a aussi la gouttelette, visiblement, la gouttelette. Mais ça te rend 10, d'accord, mais ouais, je pourrais essayer de te faire passer un niveau à la limite. Ouais, retournons à l'aventure. Ouais, je dis partout où on va passer, on va mettre un petit combat. On se met un petit combat, rien de bien méchant.
Oh là là. Les petits bonhommes qui veulent même pas crever, quoi. C'est une boule magique. Il arrive a fallen character and heals half of its HP. Et la moitié de ses PV. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc en fait on a trouvé une boule magique. La boule magique. Cool. Des boules de Dragon Ball. Quoi? Ah, des embrouilles. Une vieille femme est arrêtée au milieu de la route là. Elle est à la recherche de crétins pour aller délivrer une mystérieuse caisse, un mystérieux colis. To where you ouais, et quelque chose en fait, est-ce qu'on le fait? Ouais, vas-y, on prend le pactage. Hein, UHVB protection. Rise your shield by 9. Ah, cool. Ah, génère mon bouclier. Bon, on va retrouver notre groupe de Golio, c'est ça? Ah, mais c'était 5, c'était pas 6 qu'il fallait mettre, je suis con. Je me suis chargé tout seul, hein. C'était bien. À jouer avant que j'ai le temps de l'achever. On a quand même beaucoup plus de points en fait hein, quand on passe des niveaux. Hein. C'est vraiment important de prendre ces levels. Ok. Ah mais t'as déjà plus de vie quoi. Ok. Prends ton burger. Lui là. Non pas lui, lui. C'est lui, ok. Celui qui jouera quand même, voilà. Ok. J'aurais pas claqué tout mon stuff hein, sur ce combat. Hein, mais, on est parti. Celui-là, il est là. Oh, nice. Du coup, ce que je propose, c'est de claquer le bouclier de celui-là. Quoi? Oh, il a dodge, le salaud. Oh, le crit. Oh, le dodge plus le crit sur le même perso, c'est quand même douloureux. Hein. On va se remettre un petit burger de rat dans la gueule. Hein. Je veux dire, heureusement que l'action elle est gratos. Hein. Il y a plus de deux. Bon, bah ça va passer quand même, non? La gridance hein. Ça a été dodge. Très intéressant. Ah, d'ailleurs les caracs elles sont peut-être un peu plus claires maintenant, enfin leurs pouvoirs spéciaux sont peut-être plus clairs. Oh oui, c'est plus clair. C'est beaucoup plus clair.
Ok. Ok, bon, on les a eu. Donc du coup, je pourrais checker un peu leur carac pour voir... Lord Gorminus, Gornomus, we have your eyes for this. D'accord. Une figure blindée apparaît. Non, ils ne vont pas le faire ça. Parce que... You have been, in jail. Parce que vous êtes en, vous allez en prison. En masse, la Space Police, la police de l'espace. Vous avez mis la main dessus, a été meilleure. Donc elle s'appelle Valparsec of Nebula Command Soldiers. D'accord. Donc elle commande la nébuleuse, mais c'est ouais, c'est chiant traduit en français, donc on gardera les noms comme ça. You handle the situation now, you're relief of your duties. Donc Val emporte les Sand Raiders. Raiders des sables, les pilleurs des sables. Loin de tout ça, j'ai gossé le King for more trouble markers. Et on retourne faire son devoir. Allez, Mr. Kent returns. Écoute, she managed to call Nebula Command to aid us. Ok. D'accord, c'était lui qui est allé chercher la police. GG. Ah bravo. Just get properly dressed. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, d'accord. Donc, en fait, le peignoir, c'est un choix. C'est son fashion sense, quoi. You know? You know? Voilà. Donc, bon, voilà. C'est un mec en peignoir. Monsieur Kent s'en va. Ok. Là, ça parle de pantalons, de chips et de crevettes. Mais la mission a été complétée. Avec succès. On a gagné une autre boule. Une autre boule magique. Ça, c'est bien. Shop. Ah, on est dans une ville, donc on va pouvoir... oh là là, on va pouvoir acheter des trucs, ça c'est trop bien. Toi, t'as passé un niveau... Ah, pas Jean-Jacques. Vous avez pas le même quota d'XP parce que vous avez pas tué les mêmes mecs. Ah, c'est intéressant, mais je pense que la suite de cette mission sera pour un autre épisode. Je remercie Steknafunk sur Comme d'habitude Gaming pour Galaxy of Pen and Papers. Ciao.